Yop tout le monde, c'est Blackbird HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty Black Ops 2, donc un petit retour aux sources. Comme je vous avais promis, je vous avais dit que j'allais mettre du BO2 cette semaine, donc on commence aujourd'hui donc avec un gameplay sur BO2, donc sur la map Red. Donc c'est une nuque à la N94, donc voilà, j'espère que vous allez aimer. Bon, la N94, une arme assez facile, mais si vous voulez, c'était ma première partie sur BO2. Et je me suis dit, je vais tenter avec une arme facile, et je l'ai réussi du premier coup, donc j'étais assez content. Donc on était en QG, et j'étais accompagné de Joseph, Nec plus Ultra, Tin, et voilà. Ouais, on était 4. Ouais, c'est ça, on était 4. Donc AN94, comme je vous ai dit, donc dessus j'avais mis... ah oui, Cross, et... Ça c'est quoi les atouts, c'est quoi les trucs qu'on mettait déjà? Ah oui, chargeur rapide Cross, voilà c'est ça. Ça fait longtemps en fait, ça remonte à loin les classes sur BO2. donc voilà, chargeur rapide Cross, en arme secondaire le B23R, une arme secondaire que je recommande fortement, surtout au niveau de la compétition, c'est vraiment énorme. Après, en atout j'avais... ça fait... franchement je me rappelle plus du tout des atouts qu'il y avait sur BO2. Ça fait un bail. Attendez, je réfléchis 2 secondes. Déjà, ce qui est sûr, c'est que j'avais pillard. Ça, c'est sûr. Ah oui, je me rappelle, ça y est. J'avais détermination, gilet pare-balles. Ouais, ça doit être ça. Détermination, gilet pare-balles, pillard et dextérité. Voilà, c'est ça. Et le C4. Et en série de points, donc pour moi, les meilleures séries de points pour faire une nuque, c'est drone de brouillage, micro-station orbitale. Ça s'enchaîne assez facilement. En plus, on jouait tous les 4 avec cette série là, donc franchement ça allait vite, on avait de la micro toute la partie et c'était assez assez facile. Donc là vous pouvez voir que je suis à 15. Il va peut-être y avoir à des moments comment dire, genre où ça va rage kit, je sais pas, mais je crois que c'était avant, je crois que après ça rejoint pendant ma série, mais au début de la game, donc le début de la game, wow putain j'arrête pas de bugger. Vous aurez pas vu le début de la game parce que j'ai coupé le gameplay, j'ai mis le moment où je commençais ma série, donc je pense que là il y aura plus trop de rage kit si je me souviens bien. Je me rappelle plus trop, mais là au passage je vais faire un turn, je me suis dit waouh, il arrive vers moi ce con. Et vous pouvez voir que je mets pas mal de balles, hein, c'est parce que les connexions sur BO2, sur PS3 sont vraiment dégueulasses. Mais quand je vous dis dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. J'ai galéré à vous faire cette nuque quand même, même si je l'ai fait à ma première partie. Fallait que je mette vraiment beaucoup de balles, hein. Comme vous pouvez voir là j'en ai mis 10, c'est vraiment énorme. Là je vais en mettre je sais pas combien, ouais 10 pareil, ouais 12, voilà, on met énormément de balles, alors qu'avant tu es super vite là, quand Ghost n'était pas sorti, les connexions étaient bien. Là vous pouvez voir qu'il y a eu du rush kit encore, ça rejoint. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit retour sur BO2, hein. Moi ça me fait plaisir de retourner sur les anciens Call of, parce que c'est vrai que Ghost... c'est le seul objectif qu'on a un peu sur Ghost, c'est peut-être faire des plus de 100 kills et des KM. Mis à part ça, il n'y a pas grand chose à faire tout simplement. À part faire ça. Donc BO2, voilà, nucléaire. J'espère que vous allez aimer. Il y aura une autre nucléaire dans la semaine. Je sais pas quand je vais vous la proposer. Dites-moi dans cette vidéo si vous voulez que je vous la mette mercredi, jeudi ou vendredi. Après le week-end, je mettrai du Ghost, je pense, ou du MW3, parce que en fait, vu que je peux pas trop jouer la semaine, vu qu'il y a les devoirs, tout ça, l'école, je fais mes gameplays le vendredi, samedi, dimanche. Je peux jouer que ces 3 jours-là dans la semaine. Donc j'irai sur MW3, World at War et tout le bordel ce week-end et vendredi, donc, pour vous faire des gameplays, pour essayer de vous faire une petite MOAB, parce que c'est vrai que les MOAB sur MW3, je galère à en faire une, c'est un truc de fou, même avec une ACR, j'ai trop de mal, je sais pas pour vous, mais ce jeu, en plus, je la comme un port sur MW3, c'est un truc de malade, je sais pas pour vous si vous laguez, mais moi, je la coupe de ouf. Donc dites-moi, donc, si vous voulez que je vous propose l'autre nuque, donc MSMC Remington, jeudi, vendredi, mercredi, jeudi ou vendredi, vous me dites ça dans la barre des commentaires, comme ça, je verrai quand vous la voulez, tout simplement. Et je crois que le gameplay va bientôt se terminer, donc c'est là je crois que je vais bientôt avoir un nucléaire. Donc là ils étaient tous dans la baraque. Tac, là je recharge, si je me souviens bien, j'envoie... Voilà, c'est pas ce moment là, je crois que c'est là. Voilà, je vais faire mon kill. Donc voilà, c'était Blackbird HD, laissez un like, un commentaire si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.